Ok. Alors, pronostic, Mohamed. Ah, moi, je mets tout ce que j'ai sur Marietou. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Et je l'ai vue. Techniquement. Je l'ai vue boxer contre des gars durs. Elle est très solide, elle est très intelligente la dans sa boxe. Physique. La condition physique, ça, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait elle. Mais en tout cas, je sais que techniquement, elle est présente. Oh! Voilà, elle commence tout de suite. Ça part bien. Attention, pas de saisie. Ah, c'est l'arbitre, c'est celle que j'ai vue coacher tout à l'heure, le Maurice. Ah voilà. Oui, joli coup de poing. C'est la Mauricienne. On a un ring 100% féminin, deux boxeuses, une arbitre féminine. Les femmes à l'honneur ce soir. D'accord. Ah, on voit que l'Algérienne a quand même... Elle a du répondant. Elle a du répondant, elle est là, elle s'emballe pas. L'Algérienne. Oui. Attention, Marietou part de très loin, elle se fait toucher sur un middle kick loin. Au corps. Ah, tentative d'high kick de la part de l'Algérienne. Bloqué de la part de Marietou Diallo. Oh, du change en anglaise des deux côtés, les filles se percutent bien. Attention au coup de part de loin avec ses attaques. C'est ça. On part un peu trop loin. Ça manque de préparation, on devrait préparer un peu plus, feinter pour casser la distance et être un peu plus précise. Qu'elle fasse attention au coup de genou parce qu'on voit qu'elle gérait, elle a une attitude de Nakmoué. Hein. Donc le Nakmoué c'est ceux qui pratiquent la boxe thaï et on voit qu'elle est bien sur ses appuis et voilà les genoux ils sont efficaces. À la longue ça sape les côtes, ça sape la condition physique. Elle part de loin, Marietou. Elle part de loin. Elle part de trop loin. Elle part de trop loin. Et ça, c'est des erreurs. Ah, il va falloir que le coach Kamoura fasse son travail. Oui. La minute de repos, c'est à ça que ça sert. Oui, parce que là, c'est... C'est risqué. C'est risqué. Elle part de loin pour attaquer. Voilà. Là, l'Algérienne voit ses attaques. C'est ça. Non, c'est elle qui... Ah, un high kick, coup de genou, deux fois de l'Algérienne. Attention, attention, Marietou, la garde. Ah, oui, les coups de genou qui partent. On va faire un deux filles très concentré. Ça c'est dangereux. Elle s'est baissée ici. Le coup de pied était bien placé alors. Voilà. Ah. On a un problème de gants. Il va falloir que notre ami Marietou se réveille. Elle utilise plus son bras avant qu'à l'avance pour casser la distance et faire le travail comme on a l'habitude de faire. Mais là, elle va faire une fille qui est très forte au corps à corps. Manque de vitesse. C'est vrai. Hein? C'est vrai, surtout sur ce deuxième round. Voilà.
et les coups de pied aussi qui ne sont pas bien ajustés. Elle rentre un petit peu dans le jeu de l'Algérienne à une distance de corps à corps alors qu'elle devrait boxer en percussion de loin, oui, sortir de l'axe. Attention à cette histoire du genou, voilà, faut pas rentrer dans le jeu à vouloir mettre des coups de genou, c'est pas son style à Marie et tout. Là, ce jeu là risque de laisser des plumes. Ah, on aimerait bien que le public sénégalais encourage notre championne. Quand on boxe à la maison, c'est le public qui nous donne la force. Donc si le public pousse un peu, Marietto va se réveiller. Malheureusement, derrière le micro, on ne peut pas trop l'encourager. Le Sénégalais ne sait pas supporter. C'est les spectateurs. Ah si, quand j'ai boxé à Dakar, ils m'ont supporté vraiment oui, ce jour-là. Bon, mais c'est là. J'étais Sénégalais. En fait, tu n'oublies pas, j'étais le maître de cérémonie. Ah, oui, donc, dans mon coin, j'ai harangué tout le monde. Alors, Mohamed, voilà. Tout le monde s'y est mis. Mais la plupart du temps, c'est les spectateurs qui regardent. Pourtant, on a le 12e Gaïndé qui est là. Ah oui, il y a un de mes karatéka qui est là-bas, à l'angle, là. Il s'appelle Mohamed comme toi. Hein? Mohamed Diop. L'arbitre. Qui donne des consignes. Qui recadre un peu. Troisième reprise. C'est très bien, alors très bien arbitré. Elle ne s'immisce pas, elle essaie de donner des consignes à distance. Et on voit que le combat s'emballe dans cette troisième reprise. Moins d'un coup perdu, vraiment c'est l'Algérienne qui boxe mieux que la Sénégalaise. Honnêtement. Ouais. Voilà, on a l'arbitre qui demande au juge. C'est dangereux. Le boxeur doit toujours regarder en face. Donc on est sans chance de regarder le sol parce qu'il n'est plus capable de produire. C'est l'Algérienne qui ajuste mieux ses coups. Hein. Elle est plus précise, comme ça, c'est un elle est plus précise. Elle rentre dans son combat. Qu'est-ce qui se passe? Encore un problème de gants. Ah, des gants à scratch pour un combat, c'est pas l'idéal. Hein, ça, vraiment. Hein? Des gants à scratch à velcro, là, c'est pas l'idéal pour un combat. Il faudrait des gants à lacets. J'ai pas compris pourquoi les boxeuses sont montées sur le ring. Et elles ont enfilé les gants sur le ring, ils auraient dû les mettre. Voilà, il faut. La vite là aussi. Le coach n'a pas raté des consignes. Non, elle se fait respecter là. Quand elle est dans cette position, Marie, il faudrait qu'elle passe les mains à l'intérieur. Elle a la meilleure position. Là, quand elle a les mains à l'extérieur. Elle a la portée des petits genoux de la voilà. Là, je crois que Mohamed, c'est l'Algérienne qui mène hein, au point. C'est difficile à juger parce que je crois moi. Il ne se passe pas grand chose à part les saisies, les corps à corps. Boobs.
Alors, chers amis, vous avez, hein, vraiment, chers amis de la 2CV, vous avez l'habitude d'entendre cette voix, Didier Boubs. Alors, Boubacar, aujourd'hui, hein, un grand spectacle de cette dimension au Sénégal. Oui, c'est un spectacle magnifique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui. On n'a pas l'habitude de voir ça et puis c'est pourquoi en fait ça a attiré beaucoup de monde. On avait l'habitude de voir ça sur l'international, mais aujourd'hui c'est un spectacle digne vraiment de tout ce qui se fait à travers le monde. Oui. Et vraiment, Fabre a mis les moyens et puis là tout le monde se régale, le public se régale. Même tous les grands sportifs se régalent et les ceintures sont bien là. Et c'est un vrai, vrai, vrai grand spectacle que nous apprécions à l'instant. Une belle prestation des Sénégalais et Sénégalaises. La première ceinture, elle est sénégalaise. Bon, ben, on va suivre ce combat. Après, Bouba, tu nous reviens. Tout à l'heure. Inch'Allah. Okay. Alors, Mohamed, on continue sur ce combat. On va avoir un peu plus d'argent, on n'a pas le choix, il faut ajuster ses coups, il faut qu'elle ajuste ses coups. Voilà, là ça devient une bagarre un petit peu désordonnée, Mohamed. C'est pas très esthétique. Voilà. Ah, la sanction tombe. Maria Toudialo est sanctionnée d'un point négatif. Elle baisse la tête, rentre la tête en avant, c'est ça qui fait que la sanctionne. C'est dangereux, les chocs de tête. Est-ce que Marie Fou n'est pas fatiguée? Ah, je pense que le jeu de l'Algérienne. Ah, là, elle est plus en jambes. Hein, elle est plus en jambes, hein, l'Algérienne. Il n'y a pas beaucoup de points. Voilà. Allez, Marie-Tou, il faudrait que le public se réveille. Ah non, mais elle n'est plus sans jambes, l'Algérienne. Hein? Ça, il faut qu'on reconnaisse cela aussi. Hein? Là, c'est. Je vois Mohamed, c'est les poings et les pieds qui lui démangent en ce moment. Hein? Ça, c'est le combattant qui commente. Hein? Il n'est pas dans une bonne position, Mohamed. Hein? C'est vrai que quand on regarde, on commente, on a envie de. On a le sang qui chauffe là. Hein? généralement, les grands combattants, c'est de mauvais supporters. D'accord. Alors, ça, c'est le coach algérien. Il est un supporter algérien, je pense. C'est son coach. Hein? Marie-Claire est fatiguée. Ah oui. Il est fatigué. De la reprise. Elle a pu faire beaucoup de remontrances aussi. Hein. Il veut certainement que le combat se fasse dans les règles de l'art. C'est ça, hein. C'est ça. Allez. Oh, high kick. Oh, qui démarre. Attention, Marie-Tou. Elle est bien éveillée, l'Algérienne. Voilà. Ah, le public se réveille. Voilà. Marie-Tou aussi. Alors qu'à suivre le rythme du jambé, Marie-Tou. Ah oui, quand même. Ceinture. Ah, Mohamed. Le rythme du djembé. Ah oui. Allez, il n'y a pas de temps mort, c'est dernier round, il faut y aller. Levez la tête. Avec les bras avant en ligne. Voilà, la bite, je pense qu'elle est. Les combats de kickboxing, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment épuisant. Hein. À 5 rounds, c'est pas facile. Voilà notre ami. Eric qui nous revient. On va faire tout à l'heure un plateau à la fin de ce. Elle est épuisée, Marie. Elle est épuisée.
On a une Algérienne qui est vraiment très 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 forte. Elle a de l'expérience. Ah oui, oui. L'accélération. Là, au moins, c'est de... Elle a pu ajuster ses coups au niveau du visage. Il faut en faire plus, il reste peu de temps dans ce round. Attention à la tête. Ah, malheureusement, ce point négatif supplémentaire, on perd tout espoir de victoire. À moins de miracle vraiment. Ah oui, il faut enchaîner tout de suite avec un coup de poing. Magnifique, a perdu ce point. Ça va être difficile pour quelqu'un à sortir. Oh, un back fist, la part de l'Algérienne. Ouais. Et chez les filles, pour mettre KO, c'est très très rare. Hein. Vraiment, chez les hommes, on peut sur le coup. Et chez les femmes, à moins d'être une véritable puncheuse. Alors, Mohamed. Moi, je dis que la Zébé a gagné. C'est mérité. Oui. Ah, c'est mérité. Alors. Ah, c'est mérité. C'est celle qui a combattu. Et puis, Marietou était complètement épuisée. Ça a été. Ah, malheureusement. Yeah. Alors, on ne passera pas sa dure, mais elle a gagné en expérience avec une combattante algérienne de très, très, très haut niveau. C'est bien. Un grand sportif de renommée internationale qui nous a valu autant de satisfaction. Respect l'artiste, qu'on applaudisse s'il vous plaît, mesdames, messieurs, Bombardier, notre grand champion. Oh, 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 oh. Yes, I. Respect à toi. Merci beaucoup. Bien. Hey. Où sont les banlieues? Où sont les banlieues? Où sont les banlieues? Les amis des parcelles, Gajawai, Bikin, on est là ce soir. Esos. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Un champion parmi les autres champions. Salam alaikum Sénégal. Salam alaikum tout le monde. Ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar. Di leen wax ni am nañ contentement trop tay pour ñëw ci événement bi. And ko collaboration ak Eric Favre. Ñu ngi nuyu ñëpp. Di leen wax ni content nañu. Ku ne xam na ni Eric mo teug sama combat ak Tafatine pour le 12 février. Kon ñu ngi koy encourager. Diko ñaanal diko accueillir Sénégal ak bras ouverts diko ñaanal aussi événement yi fi entamé yépp mo am ci réussite totale kon nak sama téway fi ñaari facette la moy ñëwna en tant que frère sama xarit Eric Favre ñëwna aussi pour présenter tay ci gala bu melni kon nak gaay après ñu leen jox rendez-vous le 12 février inshallah ci arène nationale. Eric Favre ak l'une production Inch'Allah Rabbi. Jere ngeen def wa Tafatine le tay di contante ñep di sante aussi ñima andal nga xamne ma ak ñom depuis mbapat moy Cheikh Mbake Sosé Mané ma and ak suma agent yi Papa Tune Elas Tune ma ngi nuyu Bombardier ak champion yi fi tew Sos ma ngi lay nuyu ma ngi nuyu Bayma Ndion di nuyu aussi Eric nga xamne ma ak mom ay partenaire lañ. Nous avons lié ensemble avec nous, les partenaires. Quand nous avons fait ce que le Sénégal, moi, Tafatine, moi, je suis content. Nous avons appelé le Sénégal. Nous avons organisé la boxe au Thaïlande, nous avons organisé le MMA, nous avons appelé le Sénégal. Je suis content de mon coach aussi, David.
big up. Je suis sincère aussi. Je suis ici pour vous parler, Alex, mon coach. Encore aujourd'hui, je suis content vraiment. Di noy aussi sama jambaari don combat fi tay muy Kamso nga xamni ñu doon liggéey ensemble. Félicitations di féliciter adversaire yi fi jaar xam nga combattant yi fi jaar yépp di content dal di wax né xamna bégna tay bëmbeur jé yaay wacc le 19 anamo le 12 yaay wacc le 12 février inshallah.